mélange. Ouais. Pour les avoir la bonne, j'ai un début. Ça tient pas bien. Avec des projets du style Éco-Phytoterre, on vient questionner les façons un petit peu de travailler des enseignants quand même. On se rend compte en accompagnant des équipes que souvent les enseignants pensent qu'il faut transmettre des connaissances, donner des repères avant d'aller sur le terrain mener l'enquête. Et donc, ce qui est embêtant avec cette façon de faire, c'est que ça court-circuite un peu le processus d'apprentissage parce qu'on apprend en fait à partir des questions que l'on se pose. Et si on commence à donner les informations avant, on court-circuite donc un petit peu. Donc l'idée, c'est bien de placer les jeunes dans ces situations où ils réfléchissent avec les professionnels, mais aussi évidemment accompagnés par les enseignants qui pilotent les séquences pédagogiques. Donc notre proposition, c'est vraiment de remettre l'enquête au cœur, de faire confiance aux apprenants, d'utiliser la commande professionnelle et la restitution du travail des jeunes aux professionnels, parce qu'il se joue plein de choses entre ces deux temps, mais en particulier dans ces deux, dans ce premier et dans ce dernier temps. Quand le professionnel passe une commande aux jeunes, il donne de la valeur au travail que vont faire les jeunes. Il fait aussi confiance aux jeunes. Donc il les met dans une position d'engagement. Et quand les jeunes s'engagent, généralement ils apprennent mieux. La restitution, c'est très important parce que c'est le regard réflexif du professionnel sur le travail des jeunes. Et les jeunes ont besoin de s'identifier à des professionnels. Ils ont besoin d'entendre que ce qu'ils disent, ça a aussi du sens pour les professionnels. Et parfois, les jeunes surprennent les professionnels en leur faisant des propositions auxquelles eux-mêmes n'avaient peut-être pas pensé ou qu'ils n'osaient pas envisager. Notre proposition, c'est aussi à la fin de ne pas en rester là, c'est-à-dire d'institutionnaliser les savoirs essentiels qui ont été mis en travail, qui ont été construits dans ce travail d'enquête. Alors pourquoi les institutionnaliser? D'abord pour qu'il reste des traces. Et institutionnaliser quoi? Institutionnaliser surtout les raisonnements, surtout les savoirs conceptuels qui vont être nourris par les plein de connaissances que les jeunes, plein d'informations que les jeunes ont captées durant ce temps d'enquête. Ça c'est très important parce que c'est ça qui va construire les fameuses capacités auxquelles il est fait référence dans les référentiels de diplôme et autour des situations professionnelles significatives. Hein, parce que quand on travaille sur la réduction des phytos, dans plein de diplômes, évidemment qu'on travaille autour de situations professionnelles que les jeunes vont être amenés à rencontrer. Donc c'est tout ce processus-là qu'on a enclenché qui constitue un changement. Alors il faut évidemment continuer, mais aussi évidemment un apport d'Éco-Phytoterre à EPA2. Aujourd'hui, ma position sur les phytos, c'est que je comprends mieux les dangers que ça représente pour la biodiversité, pour les auxiliaires de la vigne. Je comprends que dans l'avenir de la viticulture, il va falloir trouver des solutions, comme l'observation ou les mesures prophylactiques pour bien réduire l'utilisation des produits phytos. Maintenant, après 3 mois, donc ça fait 3 mois de BPREA, je me rends compte un peu plus de l'impact déjà que peut avoir le cuivre sur les cours d'eau, les nappes phréatiques. Ça me fait prendre un peu conscience de tout ce qui se passe et qu'il faut un peu changer les choses. C'est beaucoup de choses très positives, devant tous les indicateurs de durabilité. Comment établir qu'une entreprise peut être durable dans l'avenir si elle fait part au développement durable, s'il y a des choses à améliorer, des points négatifs sur lesquels on peut jouer, des points positifs sur lesquels on peut s'appuyer. Pouvoir mener un projet de A à Z, comprendre les enjeux que ça peut mener, appeler également les acteurs de la filière, comme les chambres d'agriculture ou d'autres viticulteurs ou des personnes travaillant dans l'agroforesterie. J'en retire énormément de choses très, très positives. J'ai énormément appris grâce à ce projet et si c'était à refaire, je le referais sans problème. C'était une grande opportunité. Les engrais verts, ça va devenir quelque chose de très important. Au vu des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, mettre en place des engrais verts, ça permet aussi de former un paillage, retenir l'eau dans les sols, ce qui est plutôt important en période de sécheresse que nous avons dans le sud. Les objectifs d'Éco-Phytoterre sont complètement atteints, autant pour le collectif que pour l'EPL d'Aubernais. Pour l'EPL d'Aubernais, ces 3 ans de travaux ont permis de développer beaucoup d'activités sur la ferme et avec les apprenants. Ça aboutit aujourd'hui à une houblonnière expérimentale, un des objectifs d'Éco-Phytoterre pour nous. Donc une houblonnière expérimentale qui va nous permettre de tester des alternatives aux produits phytosanitaires, notamment par l'agroforesterie. Pour le collectif, les objectifs sont aussi complètement atteints, dans le sens où chacun des territoires a pu partager ses expériences, à la fois pédagogiques et techniques, avec les autres EPL. Donc c'est vraiment une réelle réussite.
Je trouve que le dispositif Écophytoterre, il nous a beaucoup aidé dans nos démarches de reconception. Ça nous a aidé aussi à mettre les jeunes sur des projets voilà, de recherche, de tests, d'expérimentation. Et je trouve que de ce côté-là, c'est quand même très positif. Voilà, ça, en termes de formation, ça nous incite à former plus les jeunes sur des thématiques plus agroécologiques. L'action Écophytoterre a permis de renforcer les liens avec notre territoire grâce à la mise en place d'actions très concrètes. Par exemple, le groupe BPREA qui a travaillé à la mise en place d'une haie autour de la parcelle d'agroforesterie a été amené à travailler avec les techniciens de la Chambre d'agriculture, mais aussi de l'association Agribio Ardèche ou de la Fédération des chasseurs de l'Ardèche, ce qui a permis d'avoir de nombreux apports avec ces acteurs-là sur l'exploitation et sur le site du Pradel. Pour moi, les objectifs, ils sont dans l'ensemble atteints. Les élèves, ils réfléchissent bien aux éléments innovants en agriculture. Ils travaillent ensemble, ils voient des partenaires extérieurs, ils voient d'autres élèves qui travaillent sur les mêmes sujets. Dans les évaluations qu'ils font, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup en général parce que c'est des éléments complexes. On essaye d'apporter les éléments au fur et à mesure pour décomplexifier la situation, qu'ils arrivent à avancer par étapes. Et à la fin, ils se rendent compte quand même du travail qui a été fourni et de la complexité du travail. Et donc, en général, ils sont assez satisfaits et la plupart nous disent qu'en plus, ça va leur resservir plus tard. Donc ça, c'est satisfaisant un peu pour tout le monde. Je dirais que l'axe fort, nous, pour le collectif Athéna, c'était vraiment centré sur les jeunes, donner à voir pour donner à réfléchir et surtout à s'exprimer. Donc donner à voir pour donner à réfléchir, ça, on a réussi. Je pense qu'on est passé de l'élève juste acteur à un élève qui devient un peu auteur. Justement, l'Athéna Tour aujourd'hui le montre. Ils ont créé des stands, des animations. Après, donner à s'exprimer, ben, on a encore une petite marge de progression. Mais justement, l'expérience qu'on a acquise dans le cadre d'Écophytoterre va nous permettre d'avancer, nous, maintenant, dans les années futures, en dehors de ce cadre-là. On va démultiplier ce qu'on a appris à faire dans ce projet. Je vois quatre enjeux pour notre établissement. D'abord, valoriser tout ce qui a été capitalisé pendant le projet. C'est pourquoi des fiches de témoignages pédagogiques, les fiches pollen, des capsules vidéo, des posters, un guide sur l'utilisation d'un jeu sérieux ont été créés durant la dernière année du projet. Ensuite, donner envie à d'autres collègues, d'autres disciplines, autres que les disciplines techniques, d'autres partenaires de s'engager sur les questions de transition agroécologique. Et le plan local enseigné à produire autrement nous sert de cadre pour atteindre cet objectif-là. Aussi renforcer tout ce qui tourne autour des apprentissages et de la formation, faire peut-être moins mais faire mieux et faire en sorte que nos apprenants soient plus impliqués dans la construction, la conduite et la valorisation des projets. Et puis enfin, continuer à entretenir des relations avec les autres établissements du collectif, ce qui est à coup sûr le plus valorisant, le plus intéressant dans le projet Écophytoterre. Les enjeux pour demain, ils évoluent. Alors, c'est vrai que la réduction des phytos reste d'actualité, il faut continuer à y travailler. Mais pour moi, il y a aussi l'énergie, il y a le climat, voilà, il faut qu'on trouve des cultures qui sont adaptées au climat. Les énergies, voilà, il faut qu'on trouve des systèmes de culture moins consommateurs de fuel, de GNR. D'ailleurs, on a déjà fait travailler nos jeunes sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il y a de multiples enjeux. Et je trouve que c'est de plus en plus complexe de concevoir une rotation, un système de culture qui réponde à tous les enjeux. Mais je trouve que les enjeux, ils sont multiples et j'en oublie sûrement. Mais voilà, pour moi, il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a les phytos. C'est des priorités sur lesquelles... l'azote aussi. Voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, quoi, en fait. Bon, il y a la question One Health, c'est-à-dire la relation entre la santé publique et les pesticides, qui est vraiment d'actualité, que ce soit vis-à-vis de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement. Je pense à la biodiversité, tout simplement, dont on sait que, d'après un rapport INRAE qui est sorti en 2022, une grande partie de la disparition des pollinisateurs ou des oiseaux est liée justement aux toxicités des produits phytopharmaceutiques. Et donc, du coup, il y a l'enjeu du zéro pesticide qui, probablement, va être amené à se développer dans l'enseignement agricole, avec pour motif de développer la biodiversité, de minimiser les risques sur la santé, sur l'eau, entre autres. Et ce qui est le plus important au niveau pédagogique, c'est justement expliquer aux élèves qu'il n'y a pas de solution miracle et que ça va être à eux de réfléchir à toute cette complexité, à trouver les meilleurs compromis
pour avoir le moins d'impact possible sur la ressource en général et les ressources communes. Voilà, c'est tout.